Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve sur Chill et Survie, épisode 10. Et pour cette vidéo, on va enfin ouvrir et découvrir le contenu de cette caisse hermétique. C'est parti! On reprend donc la partie là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, à savoir avec une belle petite avancée, une personne en plus, on essaie de faire un peu de rituel et tout ça, mais il faut voir encore comment on se débloque. Et on est en train de refaire les sols pour améliorer un peu l'hygiène qu'il y a dans notre petite colonie, avec beaucoup de difficultés. Et on a eu un raid ici qui s'est très mal passé pour eux, hein, pas pour nous, parce que nous on a eu grosso modo aucun problème. Malgré tout, on va passer à l'attaque. On va passer à l'attaque pour essayer de choper ce caisson-là et voir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, mais je pense que c'est important de le faire pour mieux comprendre ce que c'est. Et on va essayer aussi de finir la conversion de Flo pour avoir une recrue supplémentaire dans la colonie. Je dirais que ça ne mange pas de pain. En termes de lit, là pour moi j'ai vu qu'il y avait un souci. Ici c'est Cambé qui doit venir ici. Voilà. Idem ici, il faudra qu'on planifie d'autres tâches, à savoir, on va y mettre ici des chemises dans 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chemises ici. Voilà. Donc tout était bon, là on avait fait une zone de méditation. Donc on va faire le tour ici et attaquer le petit ici et essayer d'attaquer d'autres petites bestioles. Selon la motivation de chacun. Toi, t'es où, toi? Toi, t'as mangé, tu viens ici. Toi, tu viens là. Toi, t'es comment? Quel est ton état? Toi, tu vas manger. Voilà. Toi, tu as mangé, tu viens ici. Voilà. Condor, t'étais ici, tu peux venir là. Cambé, elle est réactive aussi. Non, Cambé, elle est où? Cambé, t'es là, et donc toi, tu viens là. Donc on va passer à l'attaque. En parallèle de tout ça, on va vite fermer la porte parce qu'il y en a une qui va vouloir suivre le mouvement. C'est peut-être l'air-loup, même si elle est fortement occupée à faire tout ce qu'il y a à faire, hein, bien évidemment. Voilà, là on va tomber en plus en pleine nuit. En pleine nuit, nous devrions être tranquilles. C'est qui est... C'est Condor que j'avais mis en tant que... ici, voilà. Condor ne l'est plus. Alors, attendez. Où se trouve... Il se trouve là, lui. Les autres sont assez loin, donc on va essayer de s'en charger. Ah, j'y vais bourrin, hein. Ils sont où les autres? Les autres arrivent. Ok, on va rentrer ici. On va utiliser ça comme peut-être un endroit intéressant pour ici. Pour essayer de les filtrer un petit peu, entre guillemets. Sauf que toi, Anto... Nina, tu seras un peu sur le côté ou un petit peu en arrière parce que tu vas peut-être avancer un tout petit peu moins vite maintenant que tu es blessé, même si là tu as l'air d'avancer assez vite. Et voir ce que ça donne au bout de là. Oh, ils se sont couchés. Oh, ils se sont couchés. En tout cas, là, je vois qu'il y en a. Alors, vous tous, vous étiez morts. Là, il y en a deux gros et un petit là. On va peut-être les prendre de nouveau par derrière en venant. Ici. Voilà. On va se mettre ici, on va voir ce qu'on peut faire. Toi, t'as quoi comme blessure? Dispositif dissolvant post-mortem. Ouais. Elle me fait un peu peur. Il y a des mots qui sonnent mal. L'air-loup, t'es parti où? Oui, pop, l'air-loup, tu reviens ici. C'est bien ce que je pensais, qu'il y en a une qui s'était un petit peu...
Fait un tout petit plaisir, c'est partir un tout petit peu loin quand même. Ok. Blairloot est rentré. Allez, rentre, ma cocotte. Pars pas trop loin. Voilà. Toi, on vous ferme ici. Et normalement, on va essayer de tirer. Alors, avec un en moins, bien sûr. On va essayer de les esquiver un petit peu. On va se mettre jusque là. Essayer de voir ce qui se passe. Allez hop, on rentre en entier. On part là-bas. Là, je pense que ça va les exciter un peu. Hein. Ouh là, là, il y a de l'excitation dans l'air. Voilà. Bon, on n'a pas forcément réussi tout ce qu'on voulait faire. Hein. Ici, je pense qu'il n'y a personne là. Pas de petits, pas de gros. Sauf que là, on va les exciter un petit peu. On va peut-être rester là finalement. Celui-là, il va me péter le mur. Non, il me l'a pas pété le mur. Non. Ok. Alors, Condor, tu vas réparer le mur immédiatement. Bien sûr. Antonina, là, est-ce que l'air-loup est parti la soigner déjà? Voilà. Ok, vous allez passer ici. On va y faire de la frappe chirurgicale. Voilà, là, on l'a eu. Ok, un en moins. Là, on va en exciter plus d'un. On va rester vigilant. Logiquement, ça va se recoucher. Hein. On l'espère, mais... Voilà. On en a eu un gros, on a eu un petit. C'est petit, hein. On avance tout doucement. Ouais, sauterelle. Voilà, toi, t'as eu. Un petit en plus. C'est pas mal. Et on va quand même vous laisser manger tranquillement, sinon ça va être compliqué, je pense. Donc on va laisser le temps d'une nuit de repos ou équivalent. Là, ici, toi t'as réparé. On peut pas prioriser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils s'excitent là? Ah ok, ils se sont un peu énervés. Pas de soucis là-dessus, j'imagine. Ok, ça s'énerve un petit peu, mais ça va le faire. Du moins, on espère que ça tienne. Voilà, ça a tenu. Toi, c'est parce qu'il faut que je croie. Voilà, faut que je te fasse ça. Hop là, on fait les réparations des murs. Et les portes, bien sûr. Et après, on voit ce qui se passe. Oh, elle était mal, celle-là. Elle était mal au point. Ouh là là là, c'était juste. On a surtout besoin que tout le monde dorme bien. Parce qu'on va rattaquer juste après. De toute façon, on rattaque jusqu'à qu'on arrive à tous les avoir. Ce qui est certain, c'est que là...
comme ça, on enlève un peu le cadavre. Ça fait un peu mauvais genre, ce cadavre ici. Donc on va essayer d'avoir ce petit là. Il en manque. Toi, il te manque ici. Et bien sûr, toi, t'es là. Pour l'instant, tu vas aller faire dodo. Ok, intrusion, intrusion, intrusion. Condor, tu te réveilles. Ok, toi t'y vas. Toi t'y vas. Toi tu recules. Toi tu recules un peu. Belle intrusion, la belle intrusion. Toi tu vas ici. Vous vous attaquez lui. Aïe 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 aïe. L'air loup, tu te réveilles, tu vas secourir. Ok. Allez, on va les avoir. On va les avoir. Il n'y a personne d'autre qui est inconscient pour l'instant. Tout le monde est est debout. Hop là. On va les avoir. On va les avoir. Voilà. Donc là, tout le monde est OP. Voilà, toi tu vas surtout réparer les murs. On va essayer de voir, il n'y a rien d'autre. Voilà. Là, j'ai vu que tu m'attaquais, je ne sais pas quoi. Voilà. Monument détruit. Oh non! Oh, on avait une quête qui était là, ils nous ont pété le bureau et ça a tout cassé. Non, ils ont cassé la quête. Bon, c'est pas transcendant, mais c'est juste un peu moche. En tout cas, on en a eu quelques-uns. Et après, tu vas... On va essayer de taper les autres qui restent, hein, de toute façon. Hein, Là, on est à combien? Encore 20. Ça peut tenir, faut espérer que ça tienne, que ça nous casse pas trop le show. Alors j'ai vu qu'ici on avait finalement le total ici, il nous en reste encore 4 mégaraignées et un spélopède. Toi tu dois être juste bien en... Ah non mince, faut inclure aussi celui qui est endommagé. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mégaraignées. C'est pas mal 5. Et ça c'est bien de l'unitaire qui fait, donc on en a bien un petit stock sympa. Ok, sauterelle Condor. Condor, tu vas là. Et l'air loup. Ah, toi, tu vas soigner principalement. Ah oui, on en avait aussi ici du soin. Oh là, ça c'est beau. Ça, c'était bien pensé quand même. Antonina, qui est ici, va pouvoir prioriser transport. Toi, tu gises ici. C'est toi qui es choqué dans la douleur, mais... Voilà, toi, au corps à corps, tu vas le finir et puis ça va être tranquille. Et ensuite, tu vas te charger de taper sur l'autre aussi. Voilà, on n'en veut plus ici. Plus du tout. Là, c'est réglé. Voilà, on va nettoyer tout ça après. Ah, on va faire tout ce qu'on peut. Hein. Toi, ok. Toi, tu vas nettoyer ça, tu vas nettoyer ça. Voilà, il y a tellement de traces, il y a tellement de trucs ici. C'est monstrueux tout ce qu'il y a. En tout cas, on l'a eu. Du moins, on en a eu une bonne partie. On va essayer de refaire ça. On va espérer que quand B se remette de ses blessures, perte de sang mineur. Ok, ça doit pouvoir le faire.
Un peu égratigné tout ça. Sauterelle tout le corps, mineur, moyenne, paire de sang moyen. J'espère que ça va le faire. Hein. J'ai pas envie de perdre quelqu'un. Ça serait considéré comme un échec d'avoir ça. Couleur sévère, ouais. Un tout petit peu, pas super à l'aise maintenant. Et toi, t'es en train de bosser ici, très bien. Qu'est-ce qu'on avait ici? Là, on avait que ça, et on avait encore de l'herbe ici. S'il nous en fallait. Là, on a plein de cadavres maintenant. Là, on est en train de récupérer la nourriture, j'espère que ça se soigne là-bas. Oui, Cambé, elle est sortie insignifiante, c'est parfait. Ok, tout le monde est sorti de... D'une période un peu chaotique. Et on va demander de nettoyer tout ça. À repart au nettoyage, tout ça. On va laisser un peu la vie reprendre un tout petit peu son fil. Même, regardez, il y a eu un tout petit peu de recherche de fait. Là, on est en train de travailler sur les vêtements, tout ça. Capsule de cargo. Nous avons détecté une capsule de conteneur qui s'est écrasée dans les environs. Il y a quoi dedans? Ah, de la mou... Ça, c'est pas pour faire de la pierre, ça. Donc, faut peut-être se dépêcher à le récupérer. Ouais, ça, à le récupérer, oui. Après, est-ce que c'est archi utile? Je ne sais pas. Alors, on va laisser l'air loup faire le travail. Quand elle se réveillera pour aller les chercher. Voilà, maintenant que c'est priorisé pour elle, nous devrions être tranquilles. Toi, tu vas aller où? Non, alors ça, tu peux rêver que tu ailles ici. En B, tu dois venir équiper ça. Voilà. Ouais, toi t'es un peu un petit aventurier quand même. Hein. Voilà. Ouais. Toi t'es sous le choc, t'es inconsciente. Ouais, mais surtout, toi j'aimerais bien que t'ailles te coucher pour être tranquille. Ouais, ça fait peur, hein. Quand on voit un gars comme ça sortir de nulle part. Ouais, fonctionne chaman non perçu. Non pourvu. Il faudra qu'on fasse ça aussi, hein, qu'on s'occupe de la partie rituelle et tout. Je sais pas si c'est indispensable. On va tenter de le faire. Toi, on va te mettre devant la porte. Voilà, comme ça, tu pars ici et tu pars là. Voilà, maintenant... Tu vas partir te poser parce que tu es quand même très endommagé. Voilà. On va faire ça tranquillement. Regardez, Sauterelle est en train de reprendre, même s'il a l'air quand même... La barre rouge, elle me fait peur à chaque fois. J'ai l'impression que c'est grave. Mais en fait, non, c'est juste perte de sang mineure. Mais j'ai toujours l'impression qu'il faut le voir dans l'autre sens. Ce qui n'est pas très rassurant. Donc on va bientôt avoir Flo, 2,1, ouais. C'est bien pour nous. Il en manque encore tout ça. Ouais, c'est bon, on n'a pas trop de problèmes finalement. On a juste des personnes blessées, hein, je vous dirais. C'est principalement ça le problème qu'on a. Ouais, voilà, il y a lui qui casse-pied, hein. Et donc toi, t'es en train de ramasser les patates comme tu peux. Sauterelle a été guérie totalement. C'est bien, on a retrouvé Sauterelle, Antonina. Les autres, pas encore. Et Condor, c'est le prochain probablement qui va être soigné. Ouais, tout ce qui est là. Une petite grippe. Voilà, tu vas soigner tant que tu es Condor. Pour être tranquille. Voilà, comme ça, tout le monde va être soigné. Ça devrait le faire. Je m'inquiète pas là-dessus.
Et toi, tu devrais pas aller au lit un petit peu là. Tu éprouves de douleurs aiguës, mais tu ne veux pas aller te coucher. Non, mais tu veux pas aller te coucher, donc ça, c'est pas cool. C'est bon, tu vas te coucher. Maintenant que tu es allé te coucher, ça va être mieux. L'air loup, elle bosse bien. De toute façon, toujours, l'air loup, c'est la bosseuse. Hein. C'est la personne qui gère la maison du mieux qu'on peut. Franchement, rien à dire là-dessus. Ici, il y a qui? Il n'y en avait pas un inconscient ici qui se serait réveillé? Ok, ils sont un peu partis loin. On va peut-être en profiter dès qu'on peut pour aller les attaquer. Toi, t'es où, Antonina? Tu es là en train de dormir, d'accord. Du moins, se repose, ne dors pas pour de vrai. Les plats, ils sont là, ouais. Condor, t'es plutôt en forme. Tu vas venir là. On va essayer de se charger que de lui. Même s'ils sont pas en grande forme, hein, finalement. J'exagère un petit peu dans mes propos. Toi, tu arrives. On va essayer de s'occuper de lui. Et une fois qu'on aura fait lui, on devrait être un peu plus à l'aise quand même. Et hop, comme ça, on l'a. Hop là. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Il est inconscient ou mort? Ok. Donc on va essayer de te faire plaisir. Hop là. Allez, viens. Allez, viens. Viens, viens. Tu veux faire ton malin là? Pardon, excusez-moi. Ah, il y a une petite enflammade là. On arrive à tous les griller facilement maintenant. On reprend même le cours de notre vie presque normale. Ok. Ouh là, là, le mur, il est en piteux état. La porte, là, elle va nécessiter quelques petits travaux. Avant qu'il nous arrive malheur. Et toi, tu vas aller où là? Va pas au mauvais endroit, toi. On a d'autres choses à te proposer. Voilà. En tout cas, ouais, du mineur, ouais, je suis d'accord. Sûrement encore des trucs un peu insignifiants, de la douleur principalement. Cambé, c'est aussi de la douleur. Tu veux pas aller te soigner ou dormir? Ah ouais, mais t'es en pleine forme pour tout le reste, mais. Intoxication alimentaire, la cuisine était sale. Ah! Crotte alors. Mince. Et, ok, donc une petite rage là qui va nous tomber sur Flo là. Dis-moi qui t'est arrivé sur Flo, j'ai même pas fait gaffe. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte de celui-là. Bon, en tout cas, on a eu combien de méga-araignées? Du moins, il en reste combien? Il en reste 4 méga-araignées. Un spélopède qui est en train de se soigner ici. Donc, les 4, là, on va avoir du mal à les terminer dans cette vidéo. Tac, 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 tac. Ouais. Avec tout le monde qui est endommagé, ça s'annonce compliqué. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un couchage médical, pas forcément. On va lancer quand même le sol en granit. On va essayer de faire ça. Et ça. Voilà. On va agrandir au fur et à mesure la zone pour pouvoir avoir une cuisine qui se voudra un peu plus propre au fur et à mesure, bien sûr. Et éviter tout problème. Ici, Condor, il est bien. Ce sauterelle, il est bien. Toi, t'es en train de vivre ta vie, c'est bien. On a fait quelques petits vêtements supplémentaires ou pas? On n'a pas encore fini les chemises. Et sans chemise, sans pantalon, c'est pas super super. Et j'aimerais bien qu'il y en ait un qui retrouve un peu de vie là.
Franchement, on est bien en termes de nourriture, on a bien géré. On est archi à l'aise là-dessus. Toi, tu fais quoi, toi? Il se balade dans un endroit qu'il doit considérer comme moche. Bien, petite tentative de recrutement. Qui est en capacité de le faire? Je pense qu'il faut attendre la prochaine fois, de toute façon, pour le faire. Voilà. Ouais, mais Flou, il va pas trop être aimé Eos, bien sûr. En tout cas, je trouve que ça s'annonce pas mal, tout ça. Alors là, on en a deux ici, un plus loin. Problème, c'est que les autres restent encore bien endommagés. Antonina est quasi soignée, donc ça, c'est bien. On va attendre que le sol se termine et on va essayer d'enchaîner là-dessus. Toi, le besoin, il en est où? Ok, c'est que tu souffres, mais... Ouais, ouais. Ah ouais, t'as besoin de manger de la chair humaine. Ça, c'est pas cool, ça. Est-ce que toi, t'avais des choses à réparer encore? J'ai pas l'impression, je pense que tout est bien en forme. Ok, pas de problème. Dans ce cas-là, on va refaire une attaque, hein. Parce que là, on est vraiment au bout de tous les avoir eus. Et il faut vraiment qu'on perde pas de temps là-dessus. Donc, Sauterelle, dis-moi, tu viens ici. Toi, tu viens ici. Essaye de recruter Flo. Pourquoi pas? Vas-y, finis le travail. Toi, tu vas venir ici. Et toi, tu vas venir... Voilà. Donc à première vue, il n'a pas réussi. Ok. Alors on va tous les mettre à disposition surtout. Ah non, toi tu vas aller le... Non, c'est Sauterelle qui va aller chercher parce que lui il est équipé. Toi tu vas te mettre là. Toi tu vas te mettre ici. Toi tu vas venir ici. Voilà, toi tu vas venir là. Ouïe. Allez, vas-y, fuis, bon salaud. Fuis. Voilà. Ah, il a réussi à l'avoir. Voilà, on en a eu deux. L'air loup. Pas fini le combat, hein. Allez. Sauterelle, tout se joue maintenant. Oh, ils ont cassé la table. Réparer la porte. Comment on fait pour les enlever d'ici? Comme ça, prioriser le transport. Et regardez ça. Alors, je ne sais pas s'il y en a un qui va résister. Il n'en reste plus qu'un. On serait presque sur Koh Lanta, si on peut dire ça. C'est plutôt pas mal. Après, j'espère que Sauterelle va résister et va survivre, bien sûr. C'est le plus important. On se prend un petit orage pour finir la vidéo, si je me trompe pas. Toi, tu pars où? Toi, tu vas chercher le cadavre. Oui, mais toi, t'es mort. Ouais, mais j'ai pas envie de cadavre où tu peux rien faire avec. Bah oui, j'ai pas envie de toi ici. Bon, en tout cas, voilà. On les a tous eus. Donc, lui, il a quoi? Il a intoxication alimentaire. Pourquoi pas? Blessure mineure. Pourquoi pas? Et quand B essaye de le soigner, c'est excellent. Là, on a encore ça récupéré. Mais il y a lui en plein milieu, mais on va pouvoir essayer de le choper. L'air loup, tu vas ici.
petit raté, j'ai appuyé sur pause sans faire exprès dans le record, donc j'ai juste eu l'air lourd qui a avancé jusqu'ici. Bon, vous avez rien raté, sauf que j'étais en train de m'enflammer dans du discours totalement alambiqué, mais finalement, voilà. Prioriser, tu ramènes tout. Voilà, c'est ça le but. Le but, c'était qu'elle ramène tout. Sauf qu'elle a décidé de passer là où il y a des bestioles. C'est bon, elle s'est éveillée, mais il n'y a rien. On s'était dit qu'il en restait plus qu'une seule. Hein. Donc la dernière, bien sûr. On va aller s'y emmêler dès qu'on peut. Donc toi, t'as une grippe ici insignifiante, ouais, mais perte de sang extrême. Allons-nous perdre Condor? J'espère pas. J'espère vraiment pas que Condor sera victime de tous les assauts que nous avons menés pendant ce temps-là. Ok, non. La grippe qualité extrême. Qu'est-ce qu'il dit? Les quantités dans le corps se rétablissent naturellement au fil du temps, bien sûr, mais d'ici là, c'est risqué. Toi, t'es en train de manger? Mange un plat simple. Oh, on n'a plus de table! Oh, on n'a plus de table! Attendez, on va en profiter. On va revendiquer, réinstaller celle-là, ici. Voilà. Est-ce que toi, tu vas prioriser le transport de la table, bien sûr? Ah oui, ils sont en train de manger debout, les garçons et les filles, là. C'est pas très très commode, tout ça. Donc on ramène une table. Et donc le dernier qui est ici, on va lui régler son compte, probablement lors de la vidéo prochaine. Car maintenant, nous allons probablement faire une petite halte. On garde encore une petite minute, à peu près, et après ça devrait le faire. En tout cas, on a chassé... Disons, on va pas dire l'intégralité, mais oui, on peut le dire. On a réussi l'intégralité. Voilà. On va pouvoir débloquer tout ça. Tous les cadavres ici, on peut les prioriser. Artefact d'impulsion animale. C'est quoi cet artefact? Utilisation unique d'un homme qui pousse tous les animaux de la région dans une rageuse chasse à l'homme. Les animaux qui, que vous contrôlés ne seront pas affectés. Hop, 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 on n'y touche pas, bien sûr. Ça, on l'a ouvert, celui-là. Ah non, on l'a pas ouverte. Je pensais qu'on l'avait ouverte. L'air loup, t'es ici. L'air loup, viens l'ouvrir. C'est quand même pour ça qu'on a fait l'épisode. C'était pour savoir ce qui c'était, ce que contenait ce caisson. Allez, viens. En tout cas, toi, je vais en avoir besoin. Ok, donc un schéma technique. Il s'agit d'un schéma pour le projet de recherche membre spécialisé. La forme physique des schémas techniques peut aller de bouts de papier avec des diagrammes jusqu'à des machines pédagogiques autonomes avancées, quel que soit leur truc. D'accord, donc ça permet de faire des bras de forage qui permettent de miner plus vite. Et je pense que pour faire un bras de forage, il va falloir... je ne sais pas comment on fait le bras de forage. Il faut un établi d'assemblage, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Hein. Nous, on a à peine fini ou bientôt fini la forge. Donc ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est sûrement pour très très bientôt. On va bientôt même finir. Oh, on a récupéré Flo, c'est bon. Donc l'épisode, pour moi, il est fou. On va finir la recherche ici. Hein. On va même pousser peut-être jusqu'au bout pour que la recherche se termine. On a Flo qui nous rejoint. Alors, on va gérer le planning immédiatement pour Flo, qui est comme ça. Hop là. On va... tout le monde est pareil ici. Donc, tout le monde va s'habiller au fur et à mesure. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Toi, tu étais archi-blessé ou un petit peu des contusions, mais ça le fait. Ici, tout est ouvert. On a une zone qui se veut beaucoup plus tranquille. On finira le boulot lors de la vidéo prochaine sur le dernier mégarigné. Et on va pouvoir surtout avancer tranquillement dans l'histoire en espérant surtout que la perte de sang ne tue pas Condor. Ça, c'est la plus grosse crainte que j'ai. Voilà. Et puis derrière, je pense qu'on a fait le tour pour l'instant de ce qu'on avait à faire ici. Là, les gars, ils vont ranger tout et on a fini la forge. Voilà.
Donc, on va lancer la prochaine recherche. Alors, moi, je voulais aller vers les armures de plate. Mais vu qu'on a tout fini, on a peut-être un peu moins besoin. On pourrait partir à l'électricité. L'électricité, problème, c'est que la recherche est doublée. Parce qu'on est dans un niveau médiéval, je crois. C'est pas comme ça que c'est marqué habituellement. Oui, on est. Ce niveau technique est néolithique, mais le niveau technique de ce projet est médiéval. Donc on va retourner peut-être sur les prochains niveaux. Je pense qu'il y a peut-être une sorte de rangement là-dedans. Une sorte d'arbre de recherche qui nous fait, de toute façon, il faut faire parod pour les terminer. Donc on va essayer de faire ça. On va faire les petits projets et après on avancera au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait, on les ait tous. Ici, on va dégager le lit de prisonnier, on va mettre en colon. Et voilà en tout cas comment s'achève cet épisode. Un nouveau membre, plus personne. Bon, une infection sur Condor. Aïe, 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 aïe. Ça, ça va faire mal. Alors, on pourrait l'amener au caisson, je ne sais pas. Bon, on verra ça lors du prochain épisode. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi celui-ci. Et je vous dis donc à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye.